Ici Willy WB, donc bienvenue à la Japan Expo 16e Impact 2015. Donc on a fait 2h10 de queue, ça devait ouvrir à 9h puis en fait ça a ouvert qu'à 10h, donc voilà. Donc comme il y a beaucoup de monde, j'ai vraiment fait un reportage vraiment pour résumer la 16e Impact. Donc ce sera Comic Con et Paris Manga tout en même temps, voilà. Donc en avant, au spectacle. Cette année, on l'a fait vraiment court parce que vraiment, on a fait vraiment 2h10 de queue. L'an dernier, ça a ouvert à 9h et puis cette année, ça a ouvert à 10h. Alors, cette année, surtout qu'il y a eu des attentats début d'année là, ils fouillent vos sacs et aïe aïe aïe. Bon, pour la sécurité c'est bien, mais alors donc là on rentre plutôt dans plus Paris Manga. On va mitrailler les stands rien pour vous. On va faire un Crunchyroll en partenariat avec les éditeurs. C'est dans le hall 5A, vous voyez la queue orange. C'est le stand de Crunchyroll, la forme de Cyclocat, source officielle d'animé et de drama. Alors n'oubliez pas le porte-monnaie pour les sabres, perruques et tout ce qui s'en va. Continue. Et voilà, une photo, un free hug. Alors venez déguiser, venez habiller, puis faites-vous des pancartes free hug. Voilà, ce n'est que 4 jours par an, mais ça vaut le coup. Rester 2 heures debout vraiment dans la chaleur comme ça, c'est vraiment épouvantable. Habituellement ça ouvre à 9h, mais là je sais pas.
pas oublié les spectacles tout à l'heure. De nombreux spectacles, scènes cosplay.
dernières années.
apprendre encore plus, mais bon. On profite de notre journée, donc à l'année prochaine, et puis n'hésitez pas à commenter sur l'IWB. À l'an prochain, allez.